Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto Classroom, donc sur l'utilisation en fait d'une plateforme pour mettre et récupérer les devoirs pour les élèves, qui a plusieurs fonctions assez pratiques. Donc pour ça, une fois que vous êtes connecté avec votre compte Saint-Jean-Lassalle, vous allez pouvoir aller dans vos outils et cliquer sur Classroom. Au niveau du classroom, donc là, ça c'est quand on a plusieurs cours et ainsi de suite. Donc voilà, il y a plusieurs petites règles à apprendre, hein, essayer de classer ses cours et ainsi de suite avec des couleurs, des choses comme ça. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on va voir comment créer un cours rapidement et simplement. Donc pour créer un cours, il va falloir ici donc créer un cours et non le rejoindre, hein. Donc il va falloir absolument un cours. Donc je sais pas, moi, ça va être première, MEDEC, hop, prise en main de l'outil, parce que je veux faire une petite séquence pour l'outil. Donc la section, bon bah là voilà, la section c'est MELEC, l'objet, bah, prise en main d'outil, hein, de l'outil, et la salle, bah là, Corona 2020 quoi. Là c'est un peu pour ça qu'on y vient. Donc voilà, donc là on va créer le cours et ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, une fois que le cours a été créé, on va se retrouver en fait sur le premier cours. Donc, ici, différentes façons d'arriver sur le cours quand vous voulez le partager aux élèves. Donc, ici, vous voyez, vous avez ce code-là. Donc, ça, c'est le corps du cours. Là, vous êtes en train de faire un petit cours en salle. Vous avez partagé ça. Vous n'avez pas ajouté vos élèves. Ou voilà, c'est une base de cours que vous avez. Vous voulez arriver devant des élèves où ce n'était pas spécialement prévu. Vous pouvez récupérer ce petit code de cours-là, l'afficher au tableau. Et quand ils taperont ce code-là, en fait, ici, dans rejoindre un cours, en fait, ils arriveront directement sur votre cours et ça ajoutera des élèves directement. Maintenant, ce qu'il va falloir commencer par faire quand on crée un cours, c'est ajouter des personnes. Donc ici, vous pourrez ajouter des collègues quand vous avez des suivis, notamment pour la co-animation, des choses comme ça, vous pourrez mettre vos collègues qui sont dedans. Donc là, vous avez la base Saint-Jean, hein, par exemple, hop, de Vaux, ici, si je veux l'ajouter, je clique dessus et je vais l'inviter et ça va lui envoyer l'invitation. Il va dire, bah voilà, vous avez été, on vous a proposé de rentrer un cours, d'être prof sur un cours, voulez-vous accepter l'invitation, oui ou non? Après, je vais rentrer les élèves. Donc là, vous avez la même chose, hein. Moi, je vais mettre mon petit élève test 2 ici. 1, hop, élève test 1 aussi qui est ici. Hop, voilà. Donc, je vais inviter ces deux élèves-là. Donc ça, c'est les élèves qui vont pouvoir arriver sur mon cours. Donc là, on va voir un peu ce qui s'y fait. Au niveau de mes élèves, là, dès qu'ils vont avoir accepté des cours, hein, donc on va aller se mettre sur la fenêtre d'un élève. Donc lui, pour l'élève, du coup, lui, il va faire pareil. Hein, il va aller sur Classroom ici. On va lui dire, ah, ben, on vous a proposé d'arriver sur un cours. Est-ce que vous voulez le rejoindre? Oui, je rejoins mon cours. Donc là, ça veut dire qu'il va accepter votre invitation. Il est arrivé dessus, donc on va lui expliquer, hein, c'est dans la première fois. Donc là, c'est pour créer des postes. Je vous montrerai comment vous pouvez mettre cette fonction-là ou pas sur votre cours un peu après. Et lui, il va aller voir derrière les personnes qu'il peut y avoir. Donc c'est qui les enseignants qui sont attribués, il peut leur envoyer des mails directement d'ici. Les travaux et devoirs qui sont en attente avec les dates de remise, des choses comme ça, et puis le dossier du drive qui y est associé, le calendrier pour voir si jamais on a plusieurs devoirs, il va pouvoir avoir son agenda avec tous les travaux, y compris en fait les travaux des autres collègues qui seraient sur d'autres matières. Au niveau du flux, là, c'est ici que ça va l'intéresser. Bon, pour l'instant, on n'a pas rentré de cours, hein, donc il va falloir aller alimenter cet élève-là. Donc on va venir ici et on va aller créer notre premier devoir. Donc notre premier devoir il est ici. Donc juste pour vous expliquer très vite, ça c'est de la documentation, ça c'est pour faire des petites questions, en fait poser une question un peu comme un fil de cours où il n'y a pas de réponse particulière. Ça c'est pour créer un questionnaire via un Google Doc par exemple, un Google Formulaire par exemple. Et ça c'est les devoirs où on va pouvoir mettre des choses un peu plus complexes dedans. Une fois que je suis ici, donc là on va faire le petit dossier prise en main de l'outil devoir numéro 1 pour la prise en main de l'outil quoi. On va pouvoir mettre des instructions, voilà,
Prise en main. Prise en main. Ici, je vais pouvoir soit ajouter des choses depuis mon drive, soit des choses depuis mon ordinateur, soit un lien vers un site quelconque, soit une vidéo YouTube. Donc ça, tout ça, c'est plutôt bien intégré et ils vont pouvoir visionner tout ça. Moi, j'ai rien préparé pour ce cours-là, donc et surtout pour la prise en main de l'outil. Donc, je vais créer directement depuis les outils de la Google Suite, là, un Google Doc. Là, moi, ce que je veux ici, c'est faire juste une petite fiche de prise en main pour voir s'ils sont capables de me rendre un devoir par rapport à cet outil-là. Donc là, je vais mettre renseignement. Renseignement. Donc là, hop. Renseignement. Je vais leur demander de me mettre nom, deux points, prénom. Et puis classe, admettons. Hop, voilà. Donc là, une fois que j'ai fait tout ça, donc mon cours ici est enregistré, tout ça, je vais pouvoir le fermer. Ici, dès que je vais faire ça, en fait, je vais avoir cette partie-là qui va être que je vais pouvoir rendre soit consultable par les élèves. Hein, donc là, c'est j'aurais mis une documentation générale sur mon cours. Je voudrais qu'ils puissent juste la lire sans faire de modification sur mon document. Je vais mettre ça. Si je veux faire un document collaboratif, parce que des élèves, ils vont travailler en groupe dessus, et je veux voir un petit peu ce qui est fait, enfin voilà, qui complète un document, je vais utiliser modifiable par les élèves. Et ici, c'est faire une copie par élève, donc c'est ce qui va nous intéresser. L'avantage de ça, c'est que dès qu'on va créer ça, dès qu'on va créer le devoir ici, on va avoir, là moi j'ai mes élèves tests, ben là on va avoir élève test 1, élève test 2, avec le nom du document derrière. Je vais pouvoir aussi simplement en glisser-déposer. Donc là, si je fais ajouter un fichier, je crois que j'ai téléchargé mes documents ou c'était sur mon PC. Hop, je vais depuis mon navigateur, je glisse un document ici, je l'importe et il fera partie de mon cours. Donc là, si vous avez déjà des choses prêtes, vous avez juste à les glisser depuis votre dossier de travail habituel. Si vous glissez des PDF, vous pourrez aussi faire, hein, on va le voir ici, vous pourrez aussi faire une copie par élève. Pardon, hop, fausse manip, faut bien aller avant. Je vais devoir reprendre mon outil, donc modifier. Il va falloir d'abord que je fasse ajouter, fichier, et je vais le glisser dans la fenêtre ici. Donc depuis un PDF, ici aussi, on va pouvoir créer un dossier, faire une copie par élève, et on le verra dans un autre tuto. Je vais vous donner le nom quand même, mais les élèves peuvent modifier directement, écrire par-dessus un PDF et ainsi de suite, directement sur sur le devoir, avec l'outil qui s'appelle Kami PDF. Donc, une fois que j'ai fait un devoir comme ça, je peux, si jamais j'ai les premières MELEC, j'ai les premières TFK, j'ai les premières SN et d'autres premières, ben je veux, par exemple, je suis un collègue de maths ou de français, ben là, si je veux dupliquer ce devoir-là sur toutes les classes, j'ai juste à cocher, quand je vais le publier, ça va aller directement dans les files des premières et ainsi de suite, enfin des autres premières aussi. Donc là, nous, c'est pas ce qui va nous intéresser, donc je ne vais pas le mettre dessus. Et après, je vais pouvoir dire est-ce que c'est pour tous mes élèves ou est-ce que c'est que pour l'élève test 1 ou que pour l'élève test 2. Alors là, je ne suis pas allé me connecter avec l'élève test 1, donc vous n'allez pas pouvoir voir mes deux élèves. Hein, mais là, si dès que tous les élèves y seront, vous pourrez le mettre dessus. En tous les cas, si vous cochez tous les élèves, dès qu'ils arriveront sur le cours, ça créera la copie par élève et ainsi de suite, quoi qu'il arrive. Vous pouvez mettre un petit barème, par exemple sur 20, et je vous montrerai comment on a un outil d'aide à la correction en ligne aussi. Une date de remise limite, ou on peut même mettre une heure. Donc là, je vais mettre le 25 mars à 14h. Une grille d'évaluation, ça on verra plus tard. Et là, on peut lui ajouter un thème, hein, en créant, par exemple, je ne sais pas, je suis en anglais, compétences, enfin les compréhensions orales, compréhension écrite, restitution orale, restitution écrite, et ainsi de suite. Une fois que je suis arrivé là, j'ai fini de préparer mon devoir. Je peux faire plusieurs choses. Soit je peux publier le devoir, donc là ça y est, je vais le lancer, tous les élèves vont avoir ce truc-là. Soit je peux programmer. Par exemple, j'ai une séquence où j'ai trois travaux qui correspondent à trois séances, ou trois sé six travaux, trois séances, et puis le travail du soir pour les élèves, des choses comme ça. Je peux le programmer ici. Et lui dire, bah, ce cours-là, ça va être pour le 26. Je vais le programmer. Alors. Je vais le mettre pour le 25 à 8h, hein, parce que vu qu'il faut qu'il rentre pour le 25 à 14h, sinon ça va poser problème. Donc là, je vais le programmer et il sera envoyé aux élèves en fait pour une notification pour dire vous avez un nouveau devoir que le 25 à 8h. Donc voilà. Et puis vous pouvez l'enregistrer en brouillon pour aller modifier dessus.
Donc le seul petit bémol, hein, vous voyez, le faire une copie par élève, si à un moment vous voulez aller sur un devoir et rajouter un document, vous ne pourrez plus faire cette notion de faire une copie par élève, et ça c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Donc là, je vais publier le devoir pour montrer ce que voit l'élève. Hop. Donc une fois qu'on arrive ici, vous voyez, j'ai attribué un élève au devoir, un devoir à l'élève ici. Donc là, je vois qu'il est en grisé. Donc il a été attribué, mais il n'a toujours pas été pris par l'élève. Donc je vais me mettre sur le compte de l'élève ici. Lui, ah, il va voir, il a un nouveau, vous voyez, là dans le flux, hop, à venir, il a des choses qui vont être à voir, hein, qui vont être à faire ici, et il va avoir un flux ici. Il va pouvoir aller dans travaux et devoirs ici, prise en main de l'outil, il va cliquer dessus. Il va afficher le devoir, donc le devoir a été attribué, hein, on le voit là. Hein. Il va afficher le devoir. Hop, et pour gérer tout ça, il y a bien sûr rendre le devoir. Donc ça, c'est tous ces différents documents qu'il va pouvoir avoir à modifier, compléter. Donc tant qu'ils sont là, donc là, il a le PDF qu'il peut modifier éventuellement. Comme vous allez le voir, là, on voit le test élève et ainsi de suite. Et là, il peut aller dessus, commencer à modifier. Donc là, c'est élève, hop, prénom test 2, classe, hop, première, ah, voilà. Il a fait ça. Donc là, il est ici. Ça s'enregistre. Et ce qu'il va pouvoir faire là, c'est soit il n'y a que ce document-là à rendre, donc il va pouvoir faire remettre. Et là, il aura remis son travail. Donc soit il fait remettre le devoir d'ici. Soit, une fois qu'il a complété le premier document, puis le deuxième document, et ainsi de suite, il va pouvoir rendre son devoir. Ou alors, vous lui avez demandé de prendre une photo, un machin, et ainsi de suite. Il va pouvoir, ici, ajouter ou créer, hein, donc depuis son Google Drive, depuis un lien, depuis un fichier, depuis son téléphone, des choses comme ça derrière. Donc, il va pouvoir le rendre. Et là, une fois qu'il aura fait rendre le devoir, donc il va rendre ces deux parties-là. Et moi, je fais, enfin, voilà. Il va mettre son devoir dessus. Il peut bien sûr, à un moment, la date n'est pas arrivée, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas encore corrigé. Tant que je n'ai pas corrigé, il peut annuler la remise et reposter un devoir. Alors ça se paramètre aussi dans les options de cours. On verra ça plus tard. Donc, pour finir, je vais retourner sur la partie prof. Donc là, on va voir ce que ça donne, hein, quand je vais dans les travaux et devoirs. Je vois qu'ici... Je vais aller dans afficher le devoir. Voilà, on voit qu'ici, j'en ai un qui l'a remis. Donc j'aurai une classe de 15. Je sais qui a mis en temps réel, qui a remis son travail, qui ne l'a pas remis. Hein, donc je peux trier, donc soit les attribués, soit les remis. En cliquant là, en fait, je vais avoir que les remis ou que les attribués ou tous les élèves qui vont s'afficher ici. Je vais pouvoir voir la note et ainsi de suite. Et comment ça se passe quand je vais voir? Donc là, je vais aller sur un autre cours qui est déjà un peu plus près pour vous montrer comment ça peut nous aider à corriger tout ça. Donc voilà une petite chose en fait où là, je vais pouvoir voir un peu tout ce qui s'est passé, en fait tout ce qui a été attribué sur mon cours hein, dessus. Donc ici, comme je vois, bah, j'ai des choses, il y avait une date de remise, donc on le voit ici, hein, je sais qui me l'a remis en retard, qui ne l'aurait pas remis, et ainsi de suite. Comme je vous disais, donc attribué 1, j'ai lui en fait qui ne m'a pas remis son dossier. Alors ce qui s'est passé, c'est juste que là, je l'ai corrigé, je lui ai rendu son devoir, donc ça me met manquant, mais moi je sais que je l'ai déjà refait, donc on va pouvoir le voir dans l'historique des remises, parce que ça c'est un devoir en deux étapes. Donc ici, je vais pouvoir vous montrer comment faire pour corriger ces cours-là et l'outil pour pouvoir noter et corriger le devoir en même temps. Donc une fois que j'ai ça, donc je vais pouvoir corriger. Donc là, j'ai déjà commencé à corriger. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, là sur le petite note que j'avais mis sur mon Google Doc, là, je lui ai mis des petits commentaires à chaque fois. Donc là, l'échelle, ça va pas. Par contre, là, bah, il avait tout bon là-dessus. Donc je lui ai mis 4 sur 4, là 1,5 sur 1,5. 4 et ainsi de suite. Et là, alors, par exemple, là, il n'a eu que 4 sur 4,5. Donc là, j'ai juste à aller sélectionner une page où je vais mettre un commentaire et ça va s'afficher ici. Il aura fait tout ça, donc j'ai plus qu'à compter son nombre de points. Je peux mettre le nombre de points ici dans la note, ajouter une petite appréciation sur l'ensemble du devoir. Je rends le devoir ou je ne le rends pas, j'attends d'avoir corrigé tout le monde avant de remettre les devoirs si je veux réajuster. Donc là, j'ai corrigé le premier, et ben je vais passer au suivant, hop, sur l'élève d'après, donc juste en naviguant comme ça. Donc
Une fois qu'il y a toutes ces choses-là, là, je vais pouvoir aller dessus et puis noter les prochains. Donc par exemple, là, ici, hop, on voit qu'ici, c'est le bon truc ici. Donc là, je vais mettre hop, 1,5 sur 1,5. Expliquer à quoi gère la GTL. Donc là, bah, je vois qu'il manque des infos. Admettons, bah là, ça vaudrait 2. Bah, ça vaut 2, quoi. Donc, je mets ça tout en commentaire et ça va venir ici. Et en plus, dans les suggestions, en fait, je peux lui mettre un petit commentaire derrière. Là, il a 2. Hop, attention, il manque des éléments. Des éléments. Donc voilà. Donc là, j'ai juste à répondre dessus. Hop, ici en fait, ça c'était pas bon, je veux le supprimer, bah je le supprime, et ainsi de suite. Donc voilà, s'il avait un deuxième document, je pourrais, une fois que je suis dans la page de l'élève, je vais pouvoir aller cliquer sur le deuxième, puis troisième, puis quatrième document, et puis mettre la note sur l'ensemble, et puis hop, ainsi de suite, je passe au suivant, je passe au suivant. Ah, je sais que lui, bah, il l'a remis un peu en retard, donc voilà, je vais continuer, je vais avancer, et ainsi de suite. Donc voilà. Ici, soit je peux rendre donc élève par élève comme je vous ai montré, soit je peux rendre à plusieurs élèves. Donc, pour rendre à plusieurs élèves, j'ai juste à sélectionner ceux à qui je veux le rendre, hein, tous ceux que j'ai corrigés, ainsi de suite. Et donc là où c'est plutôt pas mal comme outil, notamment quand on travaille comme ça derrière les élèves pendant un créneau là, quand je vais être sur ce document-là, bah, au fur et à mesure où ils vont compléter là pendant le petit créneau de 2 heures, je vais voir les différents documents. Comment dire, s'implémenter des réponses et ainsi de suite. Donc là, bah, je sais pas, là j'ai un tel qui m'a posé une petite question sur un autre outil qu'on utilise là, par exemple, qui est le Discord. Ah, et puis il me pose une question, bah, Mathéo, admettons, il me demande, oui, j'ai un souci sur telle question, est-ce que vous pouvez venir voir? Donc là, j'ai juste à aller sur son devoir, c'était la question, je sais pas, moi, 1.2.3, 1.3.3, voilà, donc là, je comprends pas bien la question, donc on peut lui répondre en temps réel dessus. Donc voilà, donc on a fait, donc là j'ai corrigé toutes mes choses ici, je reviens ici, je peux, hop, la remise, j'ai mis toutes les notes et ça va dessus. Et je vais pouvoir avoir, après, donc je ne vais pas le faire parce qu'il me reste un peu de correction à faire sur celui-ci, mais si je retourne donc sur mon cours, sur mon fil de cours qui est ici, je vais pouvoir avoir mon tableau de notes avec tous les différents devoirs que je vais avoir sur ma séquence et puis avoir la moyenne dessus. Donc voilà. Comment ça se passe? J'espère que ça vous aura été utile. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et j'essaierai d'y répondre.